toujours une chouette idée d'observer les étoiles, Amaya. Je me demande ce qu'on va voir ce soir. Peut-être la constellation du hibou. Ou celle du tigre. La constellation du gros félin. Ou peut-être la planète des lézards extraterrestres géants. Je suis persuadée qu'elle n'existe pas. Mais on peut jeter un coup d'œil de toute façon. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Une étoile filante? Hein? Ou un ovni? Ce qui est sûr en tout cas, c'est que ça arrive drôlement vite. Oh, elle se dirige droit vers notre QG. Pyjama, est-ce qu'on a un nouveau défi? Les soucis, on les règle la nuit! La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Hibou! Ouais! Ha! Greg devient... Sacha devient... Yo-yo! Ça ressemble à un énorme rocher. Ne t'inquiète pas, on va l'arrêter. Tout va dépendre de toi, Gluglu. C'est toi le plus fort. Faites-moi confiance. Gluglu, Boucli, Ikaï. Et c'est signé Tatou Rotom. Wow, Tatou Rotom. J'ai réussi. Ce rocher-là est allé jusqu'à la Lune et est revenu sur Terre. C'est toi qui as envoyé ce rocher dans l'espace? Absolument. J'envoie des blocs de pierre dans le ciel pour continuer à perfectionner mon attaque Tatou Rotom blindée. C'est pas bien du tout. Jeter des cailloux en l'air, c'est dangereux. Tu aurais pu détruire notre QG. Désolée. Je voulais seulement m'entraîner comme tous les grands héros. Mais vous ne pouvez pas comprendre. Vous, vous faites des trucs incroyables tout le temps. Ok, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire très attention. Hé, si je me faisais pardonner mon erreur en vous donnant un coup de main. Oui, peut-être que tu pourrais te joindre à nous juste pour une nuit. C'est super. Commençons par nous échauffer en faisant des exercices. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est seulement pour une nuit. Je n'en sais rien. Il en fait toujours un peu trop. Et je trouve qu'il réagit toujours un peu bizarrement. Oh, il est enthousiaste, c'est tout. Allez, ça va être rigolo. Hé, pourquoi il fait autant de bruit, votre robot? Oh, oh, c'est son signal d'alarme quand il repère des méchants. Je crois qu'il va nous falloir des renforts. Super génial. Tatou Rotom, c'est le plus fort. Les méchants, ils leur passent sur le corps. C'est pas ça le cri du ralliement. Nous, on dit. Les soucis, on les règle la nuit. Lâche ça tout de suite, Roméo. Même pas peur. Tant pis pour toi, tu l'auras bien cherché. Glu-glu, méga muscle. Maître, pitié, aidez-moi. Pas mal, mais admirez cette attaque. Le tatou de tonnerre. Oh, c'est pas du jeu. Où Tatou Rotom fait équipe avec vous maintenant? Oh. Mais qu'est-ce que tu fais? Aïe. Je suis le héros de la nuit. Je n'aurais pas pu faire autant de dégâts moi-même. Vous allez devoir faire le ménage. Oh. On ne va pas vous laisser faire, les ninjas zouaves. Biboum, biboum! Non! Chaud devant! Tatou Rotom à la rescousse! Non! Oh. Boum! Oh. Tatou Rotom! Cette nuit, je patrouille avec les pyjamasques! Donne-moi ça! Tiens, tiens! Les pauvres petits pyjamasques! On dirait que votre nouveau coéquipier vous vole la vedette!
Je rêve. Je vais voler la balançoire et vous ne pourrez pas m'en empêcher. Ah oui, c'est ce qu'on va voir. Alors comme ça, tu laisses ton nouveau copain faire tout le boulot à ta place? Je contrôlais très bien la situation. Mais je suis toujours le héros de la nuit. Vous avez vu comment j'ai assuré ce soir? Mes attaques sont trop rock'n'roll. Oui, merci Tatour et Tom. On s'est bien amusé, hein? Super bien amusé. Ça me donne envie de chasser les méchants toutes les nuits. Oh, vaut mieux de rentrer maintenant. T'as raison, on devrait fêter ça. Vous avez du chocolat chaud avec des mini marshmallows, non? Tu veux venir dans notre QG? Bien sûr, je suis impatient de visiter votre repère. Heureusement que j'étais là pour le protéger de la météorite tout à l'heure. Pas vrai, les amis? Mais... c'est lui qui a lancé le rocher dans le ciel avant de le détruire, non? Waouh, cool! Comment ça marche, ce truc-là? Waouh! Tatour et Tom, attends! Tatour et Tom, attends! Non! Tatour et Tom, arrête, je te dis! Robot. Sinon, tu risques de te griller les circuits. Bon, est-ce que vous pourriez me montrer tous les super gadgets que vous utilisez? Au fait, est-ce que vous avez une poignée de main secrète? Non. Oh, je vais vous en inventer une. Que pensez-vous de ça? Bon! Ouais! On est les plus forts! Tu veux dire, on a réglé les tracas. On crie hurrah, cette nuit, on a réglé les tracas. On pourrait en faire une chanson. Les pyjamasques vaincront leurs ennemis et traqueront les méchants toute la nuit. Non, c'est toujours pas notre devise. Regardez-moi cette voiture de rêve. C'est mon chat bolide. Fais attention. Comment on fait pour avoir des gadgets comme ça? J'aimerais bien avoir la même couleur chocolat. Tatour au masque, mais le turbo. Tatour au masque, t'as dit? Tatour au masque, comme dans pyjamasque. Avec ce nom-là, je me sentirais plus à l'aise dans l'équipe et je pourrais faire plein de trucs fantastiques toutes les nuits. Non! Je suis un peu à l'étroit. T'inquiète pas, je vais la réparer. Tout ce qu'il me faut, ce sont des outils. Qu'est-ce qui lui prend d'un seul coup? Il croit qu'il fait partie de notre équipe. Pour toujours? Il faut qu'on lui dise. Comment? On ne peut tout de même pas lui demander de partir. Mais il se met toujours en avant, il n'arrête pas de tout faire rater. Oui. Il faut qu'il s'en aille. Je crois qu'il nous a entendus. Oh non. En route, on doit à tout prix lui parler. Qu'est-ce que je regrette d'avoir sauvé leur QG? Je vais leur apprendre, moi. Il est là. Il a l'air très en colère. Hey, salut. Quoi de neuf? Vous voulez pas de moi dans votre équipe et ça m'énerve. On va tout expliquer. Non. Si je peux pas devenir un pyjamasque, eh bien je vais complètement détruire votre QG. Oh, tu n'oserais pas. Tu veux parier? Je vais l'écrabouiller. Et quand j'aurai fini de l'écrabouiller, je l'écrabouillerai une fois de plus. Je vous avais bien dit qu'il en fait toujours un peu trop. Bibou, mi plume. Yo-yo, rapido! Ouf, j'ai sauvé le QG. Je ne peux plus m'arrêter! Par mes écailles, il va détruire toute la ville s'il continue comme ça. Pas si on peut l'en empêcher. Tous au chabolide! Au secours! Aidez-moi! Attention! Il a perdu le contrôle! Wow! On a eu chaud! C'est peut-être une boule de démolition ambulante, mais il faut dire qu'il est doué en mécanique. Il a fait du super boulot en réparant ma voiture. Oh oh! Où est-ce qu'il est passé? À toi, Bibou. Je m'en occupe. Bibou Vision! Il fonce tout droit vers le musée! Oh, mais le reptile! Il va tout réduire en miettes à l'intérieur! On va l'arrêter à temps. Bibou Tornado! Vas-y, Glu-Glu! Je pourrais pas le retenir longtemps!
que je peux y arriver. Rugle, méga muscle. Je l'ai repoussé. Un petit coup de main. Merci à vous tous. J'arrive pas à croire que vous m'ayez sauvé après que je me sois si mal conduit. Nous aussi, on est désolés. On ne voulait vraiment pas te faire de la peine. Oh, bah c'est pas grave. Je ne dois pas être encore prêt à faire partie d'une équipe. En plus, je travaille mieux tout seul. Tu sais, tu pourras encore nous aider de temps en temps. Oh, ça me plairait drôlement, ça, oui. Faites-moi signe et je mettrai le turbo pour arriver. En mode tatouratom. D'accord, ravi de te faire plaisir, mais tu peux nous reposer maintenant. Pyjamasque, on crie hurrah. Cette nuit, on a réglé les tracas. Avec un petit coup de main de tatouratom. Oui. Tatouratom et le turbo labo. 28, 29, 30. Attention les copains, j'arrive. Oh. Trouvé. Oh Greg, t'es vraiment fort. Allez viens, on va chercher Sacha. Tiens, tiens, tiens. Sur qui est-ce que je tombe? Wow, déjà. Regardez ça. C'était affiché sur le QG. Je pense que c'est un message pour nous. C'est un dessin de Tatouratom, on dirait. Si c'est bien lui, ça veut dire qu'il a de gros ennuis. Il faut qu'on aille l'aider. Pyjamasque, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter le terrible méchant. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Greg devient... Bibou. Sacha devient... Yo-yo. Les pyjamas. Si ça se trouve... Ce n'est pas Tatouratom qui a fait ce dessin. Qui ça pourrait être? Quelqu'un qui essaierait de nous attirer dans un piège. Mais oui, vérifions les caméras de surveillance. Très bonne idée, Pyjarobot. Et oui, en effet, Tatouratom est passé par là. Et Roméo aussi. C'était bien un piège. Un piège pour Tatouratom. Attends, est-ce que tu as vu Tatouratom faire ce dessin? Alors ça doit être quelqu'un d'autre qui l'a fait. Mais qu'est-ce que ça change? Tatouratom est en danger. Tous à la reptilomobile. Hibou Vision. Je les vois. Glu-glu, tourne à gauche. Savant fou qui est ici m'a tendu un piège. Et j'ai aspiré toute la force de votre ami le fourmilier grâce à mon super aspi-pouvoir. Pour la centième fois, je suis pas un fourmilier mais un tatou. Attends, ça veut dire que c'est Roméo qui a tes pouvoirs? Je comprends pourquoi Robot t'a capturé maintenant. Ah, le jour où je recroise ce tas de ferraille, je lui fais sauter ses boulons un par un. Avec une technique signée Tatouratom. Je vais sans doute te décevoir, mais personne ne reverra Robot de sitôt. Je l'ai renvoyé car je n'ai tout simplement plus besoin de ses services. À présent que je possède les pouvoirs de Fourmilitom. Ah, je m'appelle Tatouratom. Et d'abord, tu veux en faire quoi de mes pouvoirs? Oh, c'est simplissime et génialissime. Je vais les transférer directement dans mon labo pour en faire un véhicule indestructible. Oh, mais oh. Tu arrives un peu tard, Pyjaminet. Yo-yo, un grand bâton. Hein? Wow. Merci. Mon rêve de posséder un super labo s'est enfin réalisé grâce à toi. Non, moi c'est pas les méchants que je veux aider. La situation est catastrophique.
Je n'imagine même pas ce que fera Roméo s'il devient plus fort que nous. J'ai déjà quelques projets. D'abord, je vais raser cette ville et en reconstruire une à ma gloire qui s'appellera Roméopolis. Voyons tout de suite ce dont mon nouveau labo est capable en testant un petit effet que j'ai appelé le tatourbillon. Non, ça c'est mon pouvoir. Roméo veut faire joujou avec ses nouveaux pouvoirs. Mais il va voir que les miens, c'est du sérieux. L'humain collant. Tu ne fais pas le poids contre moi, cuisse de grenouille. Ah oui? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Il a raison, ce n'est pas par la force qu'on l'arrêtera. Hein? Fonctionne encore mieux que ce que j'avais imaginé. Plus personne n'osera s'opposer à mon projet de devenir le maître du monde. Mon projet à moi, c'est de catapulter à l'autre bout du monde quand j'aurai retrouvé mes pouvoirs. Robot? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Maître n'a plus besoin de robot, maintenant qu'il a les pouvoirs de Capturoltom. Oh, c'est triste pour toi. Attends. Tu ne l'as pas aidé à obtenir ses pouvoirs? Si, mais je ne savais pas qu'après, il n'aurait plus besoin de moi. Alors c'est toi qui nous as laissé ce dessin? Affirmatif. Je m'étais dit, si les pyjamas que libèrent Tatourotom, le maître n'aura plus de pouvoir et reprendra robot. C'est bien d'avoir fait appel à nous. On va pouvoir s'entraider. Pas la peine. Cette fois-ci, je vais vraiment montrer à Roméo ce que c'est des méga muscles. Attends, Glu-Glu, il est trop fort. Allez, Glu-Glu, fais-lui une petite démonstration de force signée Tatourotom. Je veux dire, signée Glu-Glu, bien sûr. Oh, oh! Tu vas vraiment oser t'attaquer à moi tout seul, petit étard sur pattes? Oui, même pas peur. Glu-Glu, bouclier, gars! Va toucher mon turbo-labo avec tes pattes gluantes ou mon tatou tonnerre va te le faire payer. Hein? Wow! Attends, ça c'est mon pouvoir, c'est pas le tien. Maintenant si, et le pouvoir de creuser des tunnels aussi. Glu-Glu, ça va, tu n'as rien? Roméo nous a échappé en creusant un tunnel. Et oui, vous aviez raison, il est devenu trop fort. Je ne peux pas l'arrêter avec mes muscles. On n'est pas perdu, on va utiliser notre cerveau pour l'arrêter. Mais comment? Il est sûrement déjà loin. Et c'est ma faute s'il a pu s'enfuir. T'inquiète pas, on va le retrouver. Pija Robot, est-ce que tu me reçois? Essaie de localiser Roméo. Pija Robot a de la chance. Il est utile. Robot n'est plus utile pour son maître. Écoute, si tu veux que les choses redeviennent comme avant, j'ai une idée de ce que tu pourrais faire. Et maintenant, on fait quoi? On abat d'autres arbres? Ce que t'es, c'est pas un savant fou, c'est un bûcheron fou. Mais c'est que Monsieur Muscle a fait l'école du rire? Non, je voulais juste m'assurer qu'aucun obstacle ne pouvait plus arrêter mon turbo-labo. Bon, n'oubliez pas, si on veut arrêter Roméo, il faut être plus malin que lui. On compte tous sur toi, robot. Nous, on le distrait et toi, tu fais comme on a dit. Compris? Affirmatif, c'est l'heure d'être un vrai héros. Exactement. J'ai toujours rêvé de dire ça. Voilà l'endroit idéal pour construire ma nouvelle forteresse. Mais d'abord, il faut que je démolisse ce vieux musée tout poussiéreux. Reptile mobile, mode éjection. Qu'est-ce qui se passe? Les amis, j'ai plus l'air d'une tortue que d'un tatou, là, maintenant. Vous ne pouvez pas me laisser tranquille, les piges à casse-pieds? Maître, vous n'avez rien? Robot? Mais qu'est-ce que tu fabriques ici, toi? Le mot que vous cherchez est merci. Oui, t'as raison. Merci, robot. Robot est très heureux. Hé! Hey, qu'est-ce que tu... Maintenant, il suffit qu'on bloque Roméo le temps que Tatourotom récupère ses pouvoirs. Bibou, mi-bim! Yo-yo, ligoto!
Vous croyez que vous m'empêcherez de redémarrer? Alors que vos pouvoirs sont ridicules comparés aux miens. Ah, je te l'ai déjà dit, ce sont mes pouvoirs, les miens. Et tu sais la nouvelle? Je les ai récupérés. Quoi? Mais comment tu... Et pourquoi mon turbo labo ne redémarre plus? Eh oui, t'es pris à ton propre piège, Roméo. Mini savant fou, maintenant je vais te régler ton compte avec une démonstration hyper musclée. Signé Tatou Rotom. Les muscles, c'est bien, mais utiliser son cerveau, c'est encore mieux. Ce qu'on a de plus malin à faire maintenant, c'est se débarrasser de l'invention plutôt que de l'inventeur. Il y en a là-dedans, petite tête. Et donc, la chose à faire, c'est débrancher l'aspi-pouvoir. Je l'ai échappé, Belle. Allez, arrête de bouger dans tous les sens. Tiens-toi tranquille, le hibou. Je sais. Yo-yo, Ligoto. Les costauds, c'est le moment de vous servir de vos muscles. Bon, d'accord, mais juste pour cette fois. Allez, c'est parti. Tatou, la flipouille. Tiens, attrape. Non. Robot, emmène-moi très loin d'ici. C'est un ordre. On dirait que ton maître a besoin de toi. Victoire pour Robot. Vous ne perdez rien pour attendre les piges à casse-pieds. Je me vengerai. Encore une fois, tout est bien qui finit bien. Pyjamas, on crie hurra. Car c'est fini, on a réglé son compte à Roméo. De Roméo. Hé, hey, les garçons, vous avez vu ma figurine de Zoézap édition limitée? Regardez, les yeux s'allument, elle peut donner des coups de pied et... Zoézap, attaque éclair! C'est son slogan préféré! C'est pas méga cool, ça? Ouais, c'est plutôt cool. Plutôt cool? C'est la plus géniale des figurines Zoézap de l'univers! Hé, hey, attendez-moi! Et je ne vous ai pas dit la meilleure. Les éditions limitées sont toutes numérotées. Elles sont hyper rares. Je veux dire, il n'y en a... Oh, elle n'est plus là. Oh non, j'ai dû la laisser tomber. Vite, retournons sur nos pas. Elle n'est pas là. Je ne la trouve nulle part. Oh. Mais c'est que quelqu'un a dû la voler alors. Venez avec moi au QG. Je vais la trouver avec le pyjama scanner. Mais on a le droit de s'en servir que pour les affaires de héros, non? Bah, c'est une affaire de héros. Si jamais il y a un voleur dans les parages, qui sait ce qu'il va vouloir voler d'autre? Pyjamas, on a un nouveau défi! Les soucis, on les règle la nuit! La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire! Amaya devient... Greg devient... Yuhu! Sacha devient... Yo-yo! Les pyjamas! Tu as scanné la ville tout entière et tu n'as trouvé la figurine nulle part. Nous devons la retrouver. Tous à l'astro-hibou. Allons-y. Elle est forcément quelque part par ici. Je sais très bien ce que tu ressens. Une fois, je croyais avoir perdu Monsieur Miaou, mais en fin de compte, il était derrière le canapé. Je pense qu'on ferait mieux de... Se séparer pour couvrir plus de terrain. Non, moi je voulais dire rester groupé. Il faut croire qu'on se sépare. C'était quoi ça? Oreille de chat. Zoézap, attaque éclair. Oh, je reconnais cette voix. C'est celle de Zoézap. Elle ne ressemblait pas tout à fait à ça avant. Oh.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Roméo? Oui, petit pyjaminet. Qu'est-ce que tu m'as fait? J'ai programmé Zoé Zap pour transformer n'importe qui en une ridicule petite figurine inoffensive. Maintenant, plus personne ne pourra m'arrêter. Non, je n'avais pas oublié. J'allais le dire juste après. Et je deviendrai le maître du monde. Tu ne t'en sortiras pas si facilement. Ah oui? Et qui est-ce qui va m'en empêcher? Tu crois que ce sera une mini-figurine de Yo-Yo, peut-être? Ha! Yo-Yo, rapide! Est-ce qu'on le met en boîte, maître? Oui, littéralement, robot. Ah! Et voilà! Tu ne peux plus rien faire à présent. Alors, qu'est-ce que tu penses de ta nouvelle maison? Laisse-moi sortir! Laisse-moi sortir! En route, robot. Il nous reste encore le lézard gluant et la tête de piaf à piéger avec la figurine Zoé Zap. Non! Non! Bon, aucune trace de Zoé Zap ici. Ni là, ni... Zoé Zap, attaque éclair! Oh, là! Yo-Yo, Bibou, ça y est, j'ai retrouvé Zoé Zap! Attends, j'aurais juré qu'il n'était pas là il y a une seconde. Il y a quelque chose de louche là-dessous. Waouh! Serpent robot! Surprise! Hein? Te voilà transformé en Rikiki reptile haut comme trois pommes. Roméo, par les écailles, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Blu blu rigami! Tu ferais mieux de garder tes forces, lézard gluant. Repose-moi tout de suite! Non, j'ai d'autres projets pour toi. Tu vas rejoindre ton petit camarade d'aventure. Yo-Yo, je peux à peine bouger. Je sais, on est coincé. C'est fou ce que je m'amuse ce soir. Suis-moi, robot. Plus qu'un pyjaminus à attraper pour finir notre collection. Nous devons à tout prix avertir Bibou pour empêcher Roméo de la transformer en figurine. Oui, mais comment? Oh, j'ai cherché dans toute la ville. Où est-ce qu'elle peut être? Regarde ce que j'ai trouvé, robot. Une espèce de figurine archi nulle de Zoé Zap. Moi, je veux pas la garder. Je vais la jeter à la poubelle. Roméo, je savais bien que quelqu'un l'avait volée. Attention, Bibou, c'est un piège. Hein? Qui a dit ça? Tiens, tiens, tiens. Quelle joie de rencontrer la dernière des pyjamasques. Est-ce que tu cherches quelqu'un? Où devrais-je dire quelque chose? Oh, ça, c'est ma Zoé Zap! Rends-la-moi! Ah! Pas de problème! Elle est toute à toi! Bibou! Fais attention! Ils t'ont tendu un piège! Glu-glu? Yo-Yo? C'est vraiment vous? Zoé Zap a été programmée pour te transformer en une figurine comme nous! Zoé Zap, attaque éclair! Roméo, tu es allé trop loin cette fois. Oui, je sais, et j'en suis très fière. Surtout, ne la regarde pas dans les yeux. Oh, oh, mais on n'avait pas encore fini de s'amuser. Les garçons, vous allez bien? Je suis tellement désolée, je n'aurais pas dû vous abandonner. Oh, c'est pas grave. Mais tu dois nous aider à retrouver notre taille normale. C'est Roméo qui a la télécommande. C'est vite. Je m'en occupe. C'est l'heure d'être un héros. C'est l'heure d'augmenter la puissance des réglages. Maître, attention. Hé, hey, t'as pas le droit de prendre mes affaires. Ni toi de prendre les miennes, je te signale. Si tu veux ta télécommande, dis-moi comment redonner leur taille normale à Yo-Yo et Glu-Glu. Laisse-moi réfléchir un peu. Non. Si jamais tu refuses, j'utiliserai Zoé Zap contre toi. Tu n'oserais pas faire ça. De toute façon, tu ne sais même pas t'en servir. Ah oui? Eh ben, je vais essayer comme ça. Oh! Oh non! Ça chatouille! Robot! Non! Et maintenant, je n'ai plus qu'à leur redonner leur taille normale. Ah! Comme si j'allais te rendre les choses aussi faciles. Donne-la-moi! Je suis le seul à savoir comment faire pour inverser le processus. Tu promets de rendre à Glu-Glu et Yo-Yo leur taille normale? C'est promis. D'accord. Mais t'as pas intérêt à essayer de me piéger. D'abord, je m'occupe de mon robot.
C'était rigolo. Encore, encore. Maintenant, Glu-Glu et Yo-Yo. Non, j'ai changé d'avis. J'aime beaucoup mes petits trophées. Et il ne m'en manque plus qu'un pour avoir la collection complète. Quoi? Mais tu as promis? Mais je suis un méchant. Je te rappelle. Tiens, robot, attrape. Je l'ai, maître. Bibou, mi-plume. Oh non. De Piaf. Qu'est-ce qui m'arrive? Allez, donne-moi ta Zoé Zap. C'est le seul moyen de sauver Glu-Glu et Yo-Yo. Je te promets de les retransformer cette fois. Donne-le-moi, ils redeviendront comme avant, hein? Non. Mais c'est la seule solution. Bibou, non! On peut pas lui faire confiance. Yo-Yo, acrobat-saut. Micro-saut. Glu-Glu méga muscle. Mini muscle. Peut-être que son mauvais fonctionnement pourrait aider Glu-Glu et Yo-Yo en fin de compte. Non! Donne-moi cette Zoé Zap. Désolée, Zoé Zap. On s'est bien amusé, mais il faut que je t'abandonne. Encore un plan génial, fichu pour toujours. Mais je finirai par vous avoir un jour ou l'autre. Ouf, t'avais raison, c'est vraiment une figurine ultra super géniale. Ou plutôt c'était... Pyjamas, on crie hurra. Cette nuit, on a réglé les tracas. Hé, hey, Amaya, on a un cadeau pour toi. C'est elle, notre héroïne préférée, à Greg et moi. Oh, ça alors, c'est vraiment chouette. Merci.